Bonjour à tous, je suis Maître Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine. J'aimerais revenir vers vous avec un changement très, très important qui a eu lieu hier ou cette semaine en particulier. Le nouveau formulaire, le I-944 de Public Charge, où vous deviez documenter que vous ne seriez pas une charge au gouvernement américain quand vous êtes en demande de carte verte, que ce soit à l'extérieur des États-Unis ou à l'intérieur des États-Unis, a été retiré par l'immigration américaine. Alors, dans le moment, pour tous ceux d'entre vous qui appliquent pour une carte verte, où vous ajustez le statut de l'intérieur des États-Unis ou dans les ambassades à travers le monde, vous n'avez plus à compléter le formulaire du public charge. C'est quelque chose de très important parce que c'était compliqué, c'était difficile et demandait énormément d'éléments sur votre vie privée, sur vos biens, sur vos comptes en banque, sur votre historique de crédit. Ce formulaire a été retiré cette semaine et suspendu. Alors, pour ceux d'entre vous qui étaient inquiets par ce formulaire qui était compliqué, maintenant, vous savez, c'est les dernières nouvelles que nous avons eues officiellement hier. Alors, ce formulaire de Public Charge a été retiré. Si vous avez des questions concernant cette nouvelle information, vous pouvez nous contacter par email ou par téléphone dans un de nos bureaux. Merci à tous.